quasi sous-équilibre normalement, notre petite masse rocheuse oscillera jusqu'à atteindre la taille d'une petite planète. À ce moment-là, la chaleur générée par les impacts successifs et certains éléments radioactifs va déclencher sa fusion interne et, conséquemment, sa différenciation en une croûte, un manteau et un moelleux. Prenez un œuf dur. La coquille correspond à la croûte, le blanc au manteau et le jaune au noyau. Eh bien, on observe, à des degrés divers, les mêmes caractéristiques dans la plupart des météorites. Malheureusement, les météorites sont assez difficiles à trouver. Et...